Bon, je viens de quitter le premier étage, après une petite pause au 7-Eleven. Le premier étage, c'était vraiment très hardware, mais très compagnie. Et en regardant sur la carte, on voyait bien que c'était marqué qu'il fallait aller plutôt au quatrième étage. Et là, au quatrième étage, on a les marques. Elles sont toutes là, rangées plus ou moins bien. Mais là, on trouvera plus de marques, vous voyez, pour les marques d'ordinateur ou des marques qu'on connaît. Ce qui sera plus intéressant pour moi, parce que je suis quand même là en mode prospection, en mode carte de visite, et des mecs qui font que du hardware. Même si on avait des choses intéressantes pour de la carte mémoire, on est quand même là pour trouver des marques, éventuellement des reviews ou des partenaires. Oui, bah oui, je ne vais pas avoir que les meufs. Non, pas là pour ça. On n'est pas au Japon. Ça sera peut-être plus tard. On va faire un peu le tour et puis on essaiera de trouver. Alors, il y a plusieurs marques qui m'ont demandé de venir les voir. Bah, les chiffres, laisse tomber. Il y en a une, c'est un hashtag. Hashtag 1244, je crois. J'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé le hashtag. Je crois des chiffres, des N. Ce sera dans le. Alors là, il y a le hall 1. Pour moi, il y a 4 étages. Il y aura probablement le hall 2. Et peut-être que sur le hall 2, il y aura plusieurs étages. Ce qui pourrait être intéressant dans un hall, c'est que souvent, il y a quelques années de ça quand j'étais venu, il y avait un endroit où il y avait plein de revendeurs chinois qui avaient plein de petits stands. Et là, c'était beaucoup plus intéressant. Là, il y a des gens qui font du sport. Allez, je continue pour cette petite visite. Et puis, des casques de réalité virtuelle. Évidemment, en mode, voilà. Ouais. Bon, dès que je trouve un stand bien, vidéo, et bien sûr. Stand improbable et en même temps qui a de la raison, le stand HDMI et là en fait c'est parce qu'en fait c'est une norme, voilà, c'est une norme et c'est une licence, c'est à dire que les équipes HDMI doivent payer des droits, donc il se doit forcément d'avoir un stand, voilà, le stand HDMI avec c'est assez rigolo parce que on a l'impression d'avoir un stand USB, mais non HDMI c'est une norme avec des évolutions et tout, et ça paraît évident qu'ils aient un stand aussi et qui vendent leur cam. Ils ont rien à... Enfin, j'espère qu'ils n'ont rien à vendre, mais voilà, ils vendent une norme et une licence. Donc voilà, c'était la petite anecdote, stand HDMI, voilà. Ça permettra de clore cette première vidéo de ce quatrième étage.